Édition 2023 de la Convention annuelle de l'Église christique primitive réformée du Bénin. La Convention annuelle de l'Église christique primitive réformée du Bénin s'est déroulée du jeudi 21 au dimanche 24 décembre 2023 à Akpamebevi dans la commune de Tambo. Venus de toutes les églises des différents départements du Bénin, les fidèles n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Pour Roger Bédoud, secrétaire général de l'Église christique primitive réformée du Bénin. Et ce que je demande à Dieu, toutes les requêtes de prière qui ont été formulées, que Dieu exauce ces prières, que nous abordions la nouvelle 2024 avec beaucoup de bénédictions. Quant au directeur exécutif de l'ONG La Boussole de la Réussite, qui a co-animé la thématique sur les conseils de la nutrition, que notre alimentation soit notre médicament. Les causes de la mauvaise alimentation, de la malnutrition, peuvent être par manque ou bien par excès. Nous sommes têtus, il y a la sociologie qui nous exige des choses, nous privilégions le matériel et parfois nous négligeons. Et notre santé, notre corps, notre alimentation. Pour le pasteur général de l'Église christique primitive réformée, l'objectif de la convention annuelle est... Comment faire pour réunir les frères et sœurs en Christ, en être chrétien, partager la parole de Dieu, demeurer ensemble, vivre une vie communautaire, une vie d'ensemble, pour rester ensemble tel que la parole de Dieu l'avait dit dans Somme 133. Donc comment il est bon que les enfants de Dieu, les frères et sœurs restent ensemble. Et on l'avait comparé à l'huile de Hermon. C'est là que Dieu donne la paix et la joie en abondance, la bénédiction. C'est à travers des panels, des activités diverses et de l'animation des chorales venues des dites paroisses que le pèlerin a loué le Christ pendant 4 jours. Bon, après, non, ouais. Et là, et sous la table, là, on est bien, bon, on a des bidons.